Bonjour. J'en ai marre des mouches. Il y a quelques semaines, j'ai demandé quoi est-ce qu'on me pose des questions sur professionnalisation, et il y a une question posée par électriseur qui a été vachement intéressante, et je me suis dit, bah, ça rentre pas trop dans le sujet, mais ça ferait un bon sujet de vidéo. C'est quels sont tes projets futurs? Il y a futur proche et futur lointain, je vais organiser ma vidéo comme ça. Je vais commencer par vous parler des projets qui arrivent bientôt. Hein. Le premier projet dont je vais vous parler, bah, c'est Fine. C'est pas celui qui va arriver le plus tôt, mais c'est le plus important actuellement. C'est une web série de type super-héros, un peu à la Frank Miller, donc Sin City, ou à la Mark Millar, Kick-Ass. Je me suis beaucoup inspiré de Kick-Ass pour l'histoire. C'est un ado qui décide de devenir un super-héros, mais c'est pas totalement pareil. C'est plus l'ambiance générale, c'est plus à la Frank Miller. Donc, ce sera une web série. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir. Je la mettrai en ligne quand j'aurai tout terminé. Pour l'instant, j'ai 4 épisodes sur 10 qui sont tournés et montés. Les autres, c'est tout écrit. Faut que je les tourne et que je les monte. Je pense que ça va arriver avant la fin de l'année. Je ne saurais pas dire quand exactement, mais voilà. Notre projet qui arrivera plus tôt, je pense, c'est un court-métrage un peu à la Frankenstein, avec une expérience scientifique sur l'humain, sur l'être humain, qui modifie, qui crée un monstre un peu. Je n'ai pas trop non plus. Pareil, je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre en ligne, parce que je ne l'ai pas totalement fini. Et puis voilà, je pense que ça se sera dans les semaines à venir pour Halloween. J'ai fait un court-métrage, un mini-slasher. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un slasher, c'est Halloween ou Vendredi 13. C'est des slashers, c'est un serial killer ou un monstre qui va tuer quasiment tous les personnages. C'est à peu près ce que j'ai pour les projets de cette année. Après, dans les années qui arrivent, là, j'ai plusieurs projets. Je sais pas dans quel ordre ça va sortir. Donc, je vais vous dire les idées un peu comme ça. J'ai un long métrage d'animation en stop motion avec des Playmobil. Il va s'appeler The Last Warrior. Ce sera un film fantastico-steampunk. Donc, ce que j'appelle fantastico-steampunk, c'est le mélange entre l'univers de la fantasy, des légendes chevaleresques, et le steampunk. Et en gros, ce sera l'histoire d'un conflit entre anarchistes et royalistes. Sinon, j'ai aussi un projet de série de science-fiction qui serait un mélange un peu entre Tron et encore l'univers fantasy, parce que j'aime bien cet univers. Sinon, j'ai une autre idée de soit de série, soit de long métrage, je sais pas trop encore, qui s'inspire du titre du film La colline a des yeux. Au départ, je pensais à un film d'horreur dans une montagne qui serait en fait un animal gigantesque. En développant cette histoire-là, je me suis dit, bah, ce serait intéressant de faire un truc avec différents mondes. Un monde le nôtre et un monde magique. Parce que j'aime bien la magie. Ça peut faire des trucs originaux. Je pense que c'est un projet qui demanderait un peu de budget. Donc ça va peut-être pas arriver. Ça va peut-être mettre plus de temps. Justement, j'y pense dans les projets qui mettent plus de temps à arriver. J'ai beaucoup de projets de long métrage, dont toute une saga de super-héros qui s'appellerait Super Paman. C'est une idée que j'ai eue en 2009. Oui, c'est ça, 2009. Pour faire le court métrage Super Paman et le Clown Power, qui est sorti en 2010. Qui est, attends, tu vas mettre le lien ici. De ce court métrage, vraiment fait amateur, et ben j'ai beaucoup développé des personnages, l'histoire, et je suis arrivé à un total de 17 histoires, donc 17 films différents, et encore 17 films dans la chronologie, parce que j'ai pensé à des trucs hors aussi, et ça fait depuis 2010 que le projet s'est vraiment affiné, enfin. Qui grossit de plus en plus, mais c'est vraiment un truc qui demanderait beaucoup de budget, un truc de super-héros, et un peu bah, la Marvel.
un énorme budget parce que c'est un truc de super-héros avec des effets spéciaux, avec beaucoup d'acteurs, avec. Ouais, ce serait un trop gros truc pour mon niveau actuel. Donc là, c'est un truc qui va arriver plus tard, beaucoup plus tard. Mais si ça va pas arriver en film, chose que je n'espère pas, je vais essayer de le faire en comics. Même si j'ai pas un très bon niveau en dessin, c'est possible. Je peux m'améliorer en dessin, alors qu'un gros budget, c'est plus difficile à trouver. Sinon, j'ai d'autres projets qui sont pas forcément dans le domaine de l'audiovisuel, donc pas forcément des films dans les séries, mais par exemple, je repense à un truc qui est passé très vite sur ma chaîne, c'est Colonel Concrado. Je fais un peu de la musique, je fais de la musique sur tous mes films, finalement. Et c'était Colonel Concrado, maintenant je me suis rebaptisé CGC. Et du coup, j'ai déjà fait plusieurs musiques. Quand j'ai commencé, je faisais vraiment beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas le sortir un jour, et puis je continue à en faire, donc pourquoi pas faire un peu des vidéos, albums. Des vidéos où je mets un album complet, parce que ouais, pourquoi pas. Sinon, j'ai dit que j'étais intéressé par le dessin, par les comics, et j'aimerais bien en faire un sur Sylvain Durif. Voilà, le truc qui date un peu, mais en y pensant, ça pourrait vraiment être intéressant, je pense. Mais, voilà. Donc, tous les projets dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est des gros projets qui vont aboutir, je pense, j'espère. Et c'est vraiment des gros projets, des projets importants. Je vais pas parler de mes petits courts-métrages que je fais entre-temps, parce que ça, des fois, je les fais souvent sur le vif. J'ai une idée, je la tourne, je la monte. Puis ouais, ça se fait comme ça. Je vais pas parler des projets comme ça, parce que j'ai pas encore les idées, j'ai pas encore tourné. Enfin, j'en ai déjà fait, mais voilà. Donc voilà, c'était mes projets futurs qui vont arriver bientôt ou dans longtemps, mais qui vont arriver, j'espère. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera une fausse bande-annonce, vous verrez bien. N'hésitez pas à mettre un pouce, comme ça ou comme ça, un commentaire, à partager la vidéo, et la chaîne, pourquoi pas. Mais c'est encore mieux si vous vous abonnez, si vous mettez la cloche pour les notifications. Mais surtout, soyez vous-même et soyez heureux. Allez, salut !